Hey, salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve juste après le bois boulé, nous allons diriger vers le désert afin de continuer notre quête. Attention mon petit lit, il doit y avoir des monstres sacrément féroces dans le coin. N'essaie pas de jouer au dur en allant tous les combattre. Il faut qu'on joigne Almameu le plus vite possible. D'accord. Mais si je gagne pas d'XP, ça me sert à rien en soi. Bon, on va suivre son conseil et on va essayer d'éviter un maximum les combats. Donc, je vais quand même essayer de prendre tous les prendre de face parce que un chat allergique. Makenaï, voilà. Coup de guerre. Ok, donc là je pense qu'il a tapé plus fort. Ça, il me casse pas trop fort. J'ai rien dit et il me met cher. Ouais, d'accord. Je comprends pourquoi il dit qu'il faut mouger le combat. Peut-être un élément de gameplay plus tard qui me permettra de taper plus fort. Bah à la prochaine ville en soi. Alors niveau XP ça se paye, 26 d'XP, oh ça paye pas cher par rapport aux tartes que je prends quand même. Ok, on va pas se mentir, ça va être compliqué là. D'accord, donc je vois pourquoi il veut que je évite le combat, les monstres ici ont l'air un peu costauds. Donc on va se méfier un truc entre nous, hein. C'est c'est pourtant bondé de monstres par ici. Bon ça va, il est méga lent. Pas grand chose à craindre de lui. Toujours pareil, quand je vois que le mob est trop près, je me retourne histoire de pas prendre d'agression dans le dos. Un Helio et un chat allergique. Ouf. Alors, à pas réfléchir, on va prendre l'option de la fuite. Parce que pour le coup, Jack, un chat, c'est compliqué. Et si en plus il est accompagné d'un ami à lui, ça veut dire que la tâche va pas être très facile. Et on a la jauge de chat allergique. Je vais reprendre l'option de la fuite. Je ne vais pas prendre. Je ne vais pas risquer plus que ça. Ce serait dangereux. Surtout qu'au final on est devant la ville donc. Almameu. Juste récupérer ça parce que c'est gratuit, une bouteille d'eau de source. Très bien. C'est parti. Almameu, la cour de la Sultorane. La Sultorane. やっと着いたな。ババナシア王国や。うん。ゴロネールとだいぶ違うね。そりゃそうやがな。ここは砂漠のど真ん中にある国やからな。でもなんかいい匂いがする。ババナやな。この国にはババナっていう名産のフルーツがある。それは食べると絶品やで。せや、喉も渇いたし、ババナでも食べに行くか。本当？それそんなに美味しいの？ Avant de chasser la babane, on doit peut-être essayer de trouver ce rat Shad, non? C'est quand même pour ça qu'on est venu. Tu as raison, demande autour de nous si quelqu'un le connaît. Excusez-moi monsieur, savez-vous où je peux trouver le grand sage Rachad? Le grand sage Rachad? Il y a bien longtemps qu'on ne l'appelle plus par ce nom-là. Nos jours, tu ferais mieux de demander Rachad, le vendeur de babanes. Il vend des babanes, vous dire que ce n'est plus un sage? Mais c'est justement pour lui demander de m'apprendre la magie que nous sommes venus jusqu'ici. Ça c'est embêtant, mais on cherchait un babana split de toute façon. Alors autant passer et voir ce qu'il en est, non? Sans doute, très bien, trouvons Rachad. Rachad El Assad? Pire blague. Ah, quelqu'un qui a quelque chose à m'offrir.
Bonjour et bienvenue au Caspani de Cake, voilà. Pourquoi ne pas mettre ton habit au goût jour avec un outil de qualité supérieure? Alors j'ai pas besoin d'enthousiasme, enfin j'en ai déjà. Pasqueur. Hop, j'ai récupéré l'enthousiasme. J'ai regardé de l'enthousiasme de Carabas, donc du coup je vais l'utiliser ici. C'était pour ça, c'était justement au cas où. Et de toute façon j'en ai juste à côté dans le doute. Trois fruits de vue. Qu'est-ce que c'est que ça, des fruits de vue? Permet de recouvrir la vue. Ah, ça sert que jamais, on est blind. Hop, merci mademoiselle. Pour votre enthousiasme débordant. Bonjour. Ano, Solon-san, desu ka? Ah, sou da ga. Solon-san, boku ni maho o oshiete hoshii n desu. Ookina maho no chikara o te ni irete, Jabou o taoshitai. Jabou? Kimi tachi ga? Hai. Warui na. Watashi ni wa mou maho wa tsukaenai. Eh? Dou shite desu ka? Solon-san wa subete no maho o kiwameta 4賢者の1人なんでしょ?何と言われても使えないものは使えない。 君は… 何ですか? あなたたちは誰? まさか… この子、抜け殻人か? ジャボーに心の一部を奪われた。私のせいだ。 私がジャボーに逆らったために、この子はこんな目に。だから私は、もう戦うことをやめたんだ。この子をこれ以上苦しめたくない。この子と二人、穏やかに暮らしていくことにした。ソロンさん、違う。違うと思う。え?苦しんでいるのは、心を奪われたからじゃない。ソロンさんが戦いをやめて、 全てを諦めてしまったから。だから彼女は苦しんでる。何?わかるのか?うん。なるほど。そういうことか。私に協力してほしいからわざとそういうことを。え?帰ってくれ。そっとしておいてくれ。誤解です。そんなつもりは。聞いた通り。 確かにあの子はジャボーに心を奪われてるようやな。じゃあ、探しに行こうよ。あの子に必要な心のかけらを。いや、あの子の場合はちょっと特別なんや。え?あの子の心の輪郭が見えへん。え?どういうこと?あの子はな、心のかけらを奪われてるだけやない。自分自身で心を閉ざしとるんや。まずは心の輪郭を見えるようにせんと、心のかけらも敵でも始まらんで。 どうすればいいの?お前の世界や。あの子が心を閉ざしとる原因は、お前の世界の同じ魂を持つもう一人のあの子にあるようやな。一旦戻って、もう一人のあの子を探すんや。うん、やってみる。そうと決まったら、一の国に戻るぞ! Très bien. Est-ce qu'avant ça, je dois te faire un détour à l'auberge? N'est-ce pas? Parce que bon, moi je veux bien rentrer chez moi, pas de soucis. Cependant, je veux bien y retourner avec tout à fond. Et ça, je pense qu'à droite, c'est les égouts, c'est du téléporteur en fait. Et qu'à un moment du jeu, je le débloquerai. Ça sera chouette.
20 florins, ça coûte plus cher que la dernière fois. La région du monde. Bon, comme j'ai... Je suppose... De toute façon, je l'avais dit, quand je vais dans une nouvelle auberge, je découvre une nouvelle page d'Amazak. Un café serré. Est-ce que ça pourrait être la fille qui nous avait espionné par la fenêtre? Tu te souviens comment ça marche au lit? Il faut trouver les ressemblances. La jeune Myrta. Des filles. Pas trop chance, toi, fille. On va faire alors. Alors, à chercher justement. Je. Oui, c'est elle. Vu l'endroit. Vu la position de l'étoile, c'est bien elle. C'est bizarre, n'empêche que dans le monde de Ni No Kuni, toutes les âmes sœurs dont j'ai besoin sont centrées dans la ville du héros. Je trouve ça très bizarre. Et je viens de passer un truc. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? C'était grave de penser aux filles, finalement. Hein? Non, c'est juste que... Quand je venais ici, dans le garage de filles, il y avait une fille. Elle passait son temps à nous regarder par la fenêtre. Par sa fenêtre, tu dis, ça ressemble à quelqu'un d'une timidité maladive. Probablement, c'est cette fenêtre, là-haut. Ah bah tiens. Oh, c'est elle, monsieur Lumi. Nom d'une loupiote au lit. Pourquoi t'as pensé à elle tout de suite? C'est son portrait tout caché. Hein, mais de qui? Mais t'as un bois chiche dans le crâne ou quoi? De la fille du grand sage, tiens, ça saute aux yeux que c'est elle, son âme sœur. C'est évident, à ce point, je n'avais pas remarqué. Tu as vraiment une bonne vue, monsieur Lumi. Elle n'est restée qu'une seconde à la fenêtre. Ne sous-estime jamais le regard d'aigle d'une fée, mon gars. Je pourrais retrouver une ganguille dans un fleuve de loin. Quoi qu'il en soit, c'est elle. Il ne s'en fait aucun doute de Bruno pour entrer dans sa chambre. D'accord. Et on va faire ça comment? On va aller toquer chez elle, au calme. Eh, je vais l'aimer votre fille, je vais la violer, est-ce que je peux? Ça s'annonce mal, pas de réponse. Il y a un problème, mon petit, il n'y a personne, tu sais. Je dois parler à la fille qui habite ici. Tu es une amie de Martha? Oh, pauvre chérie, tu dois être très inquiet pour elle. Comment? Ça alors, tu n'es pas au courant? Eh bien, entre nous, les choses ne vont pas très bien dans la famille de Martha actuellement. C'est-à-dire? Son père travaille à longueur de journée, rien d'autre que le travail, il n'est jamais à la maison. Quelle tristesse, Richard a toujours été un père si attentif. Mais il lui est arrivé quelque chose, il a changé à travers les murs, je l'entends leur crier dessus. Je ne sais pas comment la pauvre Sarah fait pour supporter ça. Symbolique de la petite Martha, quelle tristesse. Sarah est... Oui, mon petit, c'est l'épouse de Richard, et elle lui est toujours aussi dévouée malgré tout. Ce matin encore, je l'ai entendu lui promettre qu'elle lui apporterait son déjeuner au garage. Elle met tant d'amour dans ses sandwichs. C'est à vous fendre le cœur, j'en ai les larmes aux yeux rien que d'y penser. Une si belle âme, pauvre Sarah. Pour peu, j'irai moi-même dire à Richard Brackman à quel point il a de la chance. Mince alors. Oh mais écoutez, moi de Sarago, ne fais pas attention à moi, trésor, je ne suis qu'une vieille radoteuse. Dis bonjour de ma part à Martha, tu veux bien? Sapristi, ça n'a pas l'air rose chez les Brackham, hein. Monsieur Lumi, on ne peut pas laisser comme ça, on doit aider Martha. Elle sortira pas pour qu'on puisse parler, elle n'est pas entrée sauf pour ouvrir la porte par magie. Je suis le seul à savoir comment faire, je suis le seul pour très poli parler. Quand maman est morte, si tu ne m'avais pas amené dans ton monde, au moment où je croyais être tout seul, si tu ne m'avais pas aidé, je serais toujours tout seul en ce moment. C'est pour ça qu'on doit aider Martha, si on ne le fait pas, elle restera éternellement à regarder par sa fenêtre toute seule. Entrons. Donc je suppose que ça va peut-être être une équipière. Hein, ne souffre pas. Quoi, c'est vraiment bizarre, une petite serrure comme ça, alors du coup, ça donne un clin d'œil. Qu'est-ce qu'il y a pas, monsieur Lumi? C'est cette porte, une puissance magnifique la protège, ton sort n'a pas échoué, c'est une puissance malveillante qui l'a repoussée. Qui l'a repoussée, ça alors? C'est de la fille, non? C'est l'âme sœur de la fille d'un sage, après tout. Tu crois alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, mais on va arrêter d'essayer de forcer la porte d'entrée. De toute façon, ce n'est pas poli de faire irruption comme ça chez les gens.
Faut que j'aille dire à son père que je veux voir sa fille. Hein? C'était... Lena... Ah, peut-être que... Quoi, qu'est-ce qui se passe, Oli? Peut-être que Lena, c'est quelque chose. Oh non, non, du internet, qu'est-ce qui se passe? Oliva, il faut que tu entres à l'intérieur. C'est ouvert. Par mal ou piote, tu as lancé un autre sort ou quoi? Non, ce n'était pas moi, c'était Lena. Mais qui cette Lena? Ça n'a pas d'importance, en contrôle, tu veux, il y a une demoiselle en détresse là-haut, mon pote. Kimi wa? Boku wa Oliva. Ah, ayashii mono janai. Kimi to onaji kono machi ni sunderu. Shitteru. Zutto miteta kara. え? 私、 病気なんだ。 この部屋から出られないの。 外に出ると苦しくなっちゃうから。 だから私にできるのは、 この窓から見えるものをずっと見ているだけ。 せやから窓女ってか。 大丈夫や。 この世界では俺の声はお前以外には聞こえへん。 そう。 私は窓女。 え? 何? 聞こえとんかい? この街で、 そう言われてるの。 君も知ってるんでしょ? あ、うん。 君だって 私のこと不気味って思ってるはずだよ。 違うよ。 思ってない。 いいの。 気にしてないから。 パパたちに見つかる前に そろそろ帰って。 おい、ちょっと。 しかし変やで。 俺が見たところ、この子の体にはどこにも異常があらへん。健康そのものや。そういうの、わかるの?これでも大妖精やからな。それくらいはわかるわい。それってどういうことなの?多分、病気はとうに治っとんねんけど、あの子の心と体を縛り付けとる何かがあるんやな。どうしたの?あ、いや、その…僕さ、また会いに来るよ。え?君がこの部屋から出られないなら、僕がまた、ここに会いに来る。そしたら、友達になれるからさ。オリバー。無理だよ。え?パパが許してくれない。帰って、オリバー。シェリー。 Tu avais raison, monsieur Lumi, c'est vrai, c'est comme si Martha et Myrta étaient une seule et même personne. Tu trouves aussi, hein, elle pourrait même être jumelle, j'étais sûr, non, blabla. Mais elle n'a pas le cœur brisé, il y a quelque chose d'autre qui l'empêche d'aller mieux. C'est être ses parents, sa famille, et ouais, si on en croit la vieille Madame Orago, on dirait que ça va pas fort entre ses parents. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de se mêler de querelle familiale, Oli? Peut-être pas, mais on doit aider Martha. C'est important, la famille, c'est tout. Bon, j'ai zappé le garage. Allons-y, monsieur Lumi. Donc je suppose que son père, c'est l'âme sœur. Du grand sage, en fait, tout simplement. Ça doit être le garage où travaille Richard. J'ai l'entente qui tressaille. Prépare-toi bien avant d'entrer et reste sur tes gardes. D'accord, monsieur Lumi. Oh! Garage de Rusty. C'est aussi que travaille Richard, hein, Oli? Et c'est sûrement lui, là. Je suppose. Il a une aura noire, hein. Pardon, monsieur, vous êtes le père de Martha, je suis venu vous parler d'elle. Tu ne vois pas que je suis occupé, il fiche le camp, gamin. Mais qu'est-ce qui tournicote autour de lui? Non, impossible. Chérie, je t'ai apporté ton déjeuner. Quoi, encore? Je n'ai pas faim. Mais chérie, tu vas finir par tomber malade si tu ne manges pas. J'ai dit, je n'ai pas faim. Non, j'ai dit, je n'ai pas faim. Très bien, chérie. Prends soin de toi, s'il te plaît. Alors, c'était la maman de Martha, c'est ça? Toi aussi, gamin, dégage d'ici avant que je te jette dehors. Mais monsieur...
Sabristi vide un peu ses yeux, son corps est complètement brisé. Il a le cœur brisé, mais il n'est pas de ton monde, monsieur Lumi. On s'en souciera plus tard, pour l'instant on sait quel est le problème, on doit réparer le cœur brisé de Richard, tu es d'accord? On n'a pas le choix, ne vous inquiétez pas monsieur, on va vous aider. C'est une blague ou quoi? Un cauchemar? On n'a plus le choix maintenant. Un cauchemar, tu veux dire comme un mauvais rêve? Non, bien pire. Un cauchemar est un esprit mauvais qui s'empare de ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois cette brume noire, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ça perd, il peut pas être la brume est de plus en plus sombre, ça ne veut vouloir dire qu'une chose, et c'est mauvais signe. Cauchemar de Richard. Boss fight, j'ai pas regardé. Waouh. D'accord, au calme. Fireball! Défense. Coup de bélier! Hurra! 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 Lancer de caillou! Putain, j'ai plus le temps de me changer et de mettre en défense. Allez, défense. Attaque. Attaque! Hurra! 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 Défense!
championnat dans mon déplacement. Défense. Darkus Furu. Bra. Merde, je suis aveuglé par contre. Juste récupérer les sphères. Putain, je sais me mettre en défense, c'est juste. Hein. Darkus Fili. D'accord, ça c'est fait. Non! Ma furie! Ma furie, putain, j'ai raté la furie. Pour mon premier soin, même permettre le luxe de pouvoir lancer sur un glace. En mode au calme posé, morsure de glace. Darkus Fury. Morsure glaciale. Mes sorts sont beaucoup plus efficaces. Genre là. Ouais, j'ai l'impression que mes sorts étaient vachement plus efficaces. Daijabu! L'arme curative, nice. Chérie. Sarah, ne t'approche pas de moi. Son cœur est toujours brisé. Bien sûr, on est seulement débarrassé du cauchemar, mon pote. Vraiment, son cœur est un tout autre problème. Et monsieur Lumi, ces cauchemars, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un peu comme des créatures, sauf qu'ils naissent des cœurs brisés qui s'en emparent, qui les possèdent en quelque sorte. Et c'est aussi Shadar derrière, qui est derrière le cauchemar. Regarde le lit. Lui et Rashad se ressemblent comme deux gouttes d'eau, tu trouves pas? Shadar s'est débarrassé de Rashad dans notre monde en attaquant son âme sœur ici, dans ton monde. C'est horrible, il s'en prend aux personnes dans mon monde aussi maintenant. On dirait bien. Et si on n'aurait pas son cœur, notre cauchemar risque de s'en emparer. On doit régler ça, mon petit Oli. Tu vois comme il était avant, n'est-ce pas? Il était évident que ce qui lui manque, c'est une énorme dose de bonté. De la bonté. Oula. Comme tu dis, mon Kiki. Tu penses à quelqu'un qui déborde du lait de la tendresse humaine, Oli? Une personne vraiment très gentille, c'est ça? Chérie, oh chérie, tu vas bien? Parle-moi, s'il te plaît. Bien, 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 parfois, ce qu'on cherche atterrit directement sur le paillasson. Ça vaut pas la peine, ça, je suppose. Excusez-moi, madame.
Oh, mais tu es le fils de Rose? Oui, c'est ça, j'ai quelque chose à vous demander. Madame Branca, est-ce que je peux vous prendre un peu de votre bonté? Désolé, mon chéri, je ne vois que. J'ai besoin pour que monsieur Brancam aille mieux. Je vous en prie, c'est pour l'aider. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mais s'il existe la moindre chance que mon mari aille mieux, alors bien, je suis d'accord. Merci beaucoup, madame Brancam. Gris bâton magique. La vertu chaleureuse apparentée à la générosité. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai comme une sensation de chaleur à l'intérieur, tip top. C'est-à-dire que ça a marché, hein, maintenant je... Sarah, laisse-moi tranquille. Allez, petit gars, donne-lui la bonté. Tiens, voici la bonté qu'il te manque. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, oh chérie, Sarah, qu'est-ce que je fais là? Tu as fait quelque chose à tes cheveux? Oh Richard, tu es très séduisant aussi aujourd'hui, mon chéri. Impec, ça a marché. Ah, le bonheur conjugal, c'est pas mignon ça. Excusez-moi. Et tu fais quoi? C'est pas le moment de les interrompre. Laissons-les tranquilles et allons dire à Martha que tout est rentré dans l'ordre pour ses parents d'ac. Tu as sûrement raison, allons-y. On se casse comme ça, rien à foutre, très bien. Oliver, どうしたの? いや、パパに見つかったら大変。一緒に行こう、シェリー。え?外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。外に出ることを考えただけで、胸が苦しくなってくるの。シェリー。行きなさい、シェリー。シェリー、今まですまなかった。私はどうかしていた。病気のお前をほったらかしにして、レイシルともいつも喧嘩をしていた。おそらく、お前を縛りつけているものは、この私だ。パパ。お前は心のどこかで、自分がこの家から出ていけば、私とレイシルが、お前という唯一のつながりを失って一緒にいられなくなる。そう思っていたんだろう。だからお前は、お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。パパ、私。もう大丈夫だ。パパも、ママもな。シェリー、パパを許しておくれ。パパ。羨ましいんか。え?ううん。素直とちゃうの?オリバー。え?私、勇気を出して、外に出てみる。私を外に連れてって。シェリー。シェリーやったよやったよ、オリバー私、外にいる外にいるよなんや、ええ気分やな。オリバー、ありがとう。Je suis tellement content pour toi, Martha. Je n'aurais jamais réussi sans toi, Oliver.
Maintenant, je sortirai tous les jours. Je retourne à l'école, je rencontre des gens, j'essaie des vêtements. C'est bizarre, j'avais tellement peur de sortir, mais maintenant, je me sens courageuse. J'ai l'impression de tout pouvoir refaire. Écoute-la un peu, d'un seul coup, elle a du courage pour 5 ans, je le sens jusqu'ici. C'est vrai, hein, monsieur Lemmy, il y a quelqu'un à Almameux qui aurait besoin d'un peu de ce courage. Bien vu, mon petit Oli, une goutte de toute la toute nouvelle bravoure de Martha, c'est pile ce qu'il nous faut pour déclencher la guérison de Myrta. Il y a un problème, Oliva? Martha, je connais une fille qui te ressemble beaucoup, elle a traversé une épreuve très difficile. Tu es tellement courageux, je me demandais si tu serais d'accord pour que j'offre un peu de ton courage à cette fille et pour l'aider et pour aider sa famille. Mais bien sûr, mais comment on fait ça? En disant la magie. Et je connais le sort qu'il faut. La magie, tu es un garçon intéressant, Oliver. Mais pas de problème, vas-y. Très bien, ferme les yeux. Comme ça? La grande force de la bravoure. Ça fait chaud. Mon cœur, il est tout chaud. Ça veut dire que la magie a fonctionné. Merci beaucoup, Martha. Maintenant, mon avis va pouvoir recommencer à aller mieux. Je suis contente. Bon, mon petit Oli, on a du courage à livrer, hein. Allons-y. Entendu. Martha, je dois y aller maintenant. Souhaite bonne chance de ma part à ton ami, d'accord, Oliver? J'espère qu'elle sera bientôt remise. Merci, Martha, je le ferai. À bientôt, Oliver. Très bien. Je vais me casser devant elle. En mode, t'as vu, c'est moi qui ai réglé tes problèmes. Téléportation. Waripe. Allons-y. Encore toi, combien de fois va-t-il falloir que je te le dise? Je ne suis pas. Monsieur Rachad, on l'a, un alphamant de cœur de votre fille a perdu. Vous avez quoi? Vous êtes sourd ou quoi? Il vient de dire qu'on pouvait guérir votre fille. Vraiment? Oui, monsieur Rachad, laissez-moi faire. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'étrange impression que tu dis la vérité. Bien sûr que oui, regardez-moi cette bouille, ça peut mentir ça? Très bien, alors je t'en supplie, rends-moi ma fille, soigne son cœur. Oui, monsieur. La voilà, Oliva. Hein? Tip top, c'est exactement ce que j'attendais. Nous avons rouvert son cœur, tu peux le réparer maintenant. Ne t'inquiète pas. Ça ne prendra pas longtemps. Je vais te donner le courage de Martha, d'accord? Ouais, son cœur est grand ouvert, hein, suffus. Le ce courage qui est dans sa poche. Parce que... Voici du courage! Nanda, quoi?私どうしたのかな君は、ジャボーに心を奪われていたんだ。私が心を戻ったのか。マル、本当にお前なんだな。マル、パパ。すまなかった、マル。うん、確かにマルは勇気を奪われていた。でも本当に勇気を失っていたのは私自身だったんだな。オリバ、君はそれを教えてくれた。ありがとう。はい、ソロンさん。私もジャボーと戦うよ。再び、一つながりの笛が、この世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛？かつて世界が平和やった頃の、そら古い話やで。二の国の全ての王によって、少しずつ削り出された平和を象徴する笛だ。その笛の音こそ世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなってもうどれくらいになるのだろう。三人の王の中がごっつ悪なってからは聞かんな。やろうよ。もう一度あの笛の音を鳴らそう。私たちの手で。ああ、そうだな、マル。私もやってみるよ。オリバーたちと共に。ありがとうございます、ソロンさん。
Laisse-moi t'accompagner, Oliver. Je veux t'aider à combattre Shadar. J'ai un familier pour m'aider, comme toi. Viens là, petit. Waouh, toi aussi, tu sais te battre avec les familiers, Myrta? Bien sûr qu'elle le peut. Le talent de Myrta consiste à entraîner et à gérer les familiers. En fait, elle fait donc davantage partie de la catégorie des maîtres des bêtes que des magiciens, c'est ça? C'est bien, ce sont des compagnons utiles. Voici Grand Plume. Il s'appelle Tencel. Tu dis bonjour, Tencel. Tip top, maintenant que tout est réglé, parlons affaires. Vous vous souvenez pourquoi le jeune Oliver est venu ici, hein, Rachad? Monsieur Lumi, tout à fait, tu souhaites apprendre l'art des sages, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors tu auras besoin de ces sorts. Marinettiste. Gastronome magique. Lampe magique. Onde choc. Merci beaucoup, monsieur Rachad. Je suis satisfait de voir que tu ne manques pas de la détermination nécessaire. Après tout, tu es venu dans notre monde pour affronter Shadar. Vous le saviez? Que je venais dans notre monde, je veux dire. Ce sont tes actes qui m'ont révélé cette origine. Tu as guéri Myrta là où j'en étais incapable. Ce qui m'a indiqué que tu avais aidé son âme sœur dans l'autre monde. Et seul quelqu'un d'originaire de ce monde-là était à mesure de faire une telle chose. Walou, alors Olivier vient dans cet autre monde dont tu m'as parlé, père? Et c'est lui qui m'a sauvé? Oui, c'est étrange, j'ai l'impression de t'avoir croisé dans un rêve ou quelque chose comme ça. Oliva, il semble que tu sois le seul à pouvoir accomplir certaines choses. Tu peux peut-être aider notre monde, je t'apporterai mon aide. Merci, monsieur. Je ne vous abandonnerai pas, je vaincrai Shadar. Peut-être, mais il te faudra beaucoup d'entraînement auparavant. Dans une parfaite maîtrise des arts magiques, tu ne peux espérer le vaincre. Les quatre grands sages ne sont pas parvenus à vaincre l'émissaire de l'ombre. Alors, pour qu'un enfant hyperienne, il faudra plus que de l'enthousiasme. À quoi pensez-vous? Il va devoir accumuler un sacré paquet d'expérience en très peu de temps, n'est-ce pas? En effet, le genre d'expérience qu'offre les épreuves du jugement des sages, Oliver. Tu dois t'y soumettre. Des épreuves? Où est-ce que cela se déroule? Dans le nord du désert, au temple du jugement. Le temple du jugement, tu veux dire? Oui, là où vit le sage suprême, le maître des bêtes. Toi aussi, tu as beaucoup à apprendre, Myrta. Seuls ceux qui ont réussi la bénéficier du sage suprême sont autorisés à ouvrir les portes du temple. Je vous y accompagnerai. Merci, père. Tu réussis très bien ces épreuves, Oliver. Je suis sûr. Merci, Myrta. Et merci à vous, monsieur Rachad. Eh bien, très bien. Voici un épisode lourd en révélation qui se termine. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ni no Kuni. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouve très vite. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao les gens.